faut tous écouter. J'apporte une importante nouvelle. L'empereur Tibère a envoyé un de ses hommes de confiance en Judée. En cet instant même, il est en train d'aborder en un point secret de la côte. Pourquoi tant de mystère? Pour quelle raison n'a-t-il pas débarqué directement à Césarée? Cette décision anormale, à mon avis, n'a sans doute pas été prise par l'empereur. Mais elle est plutôt le fruit de la diplomatie de Ponce Pilate. Que veux-tu dire? C'est simple. L'arrivée d'un envoyé de l'empereur au moment précis où la situation est critique ne peut signifier qu'une seule chose. C'est que les méthodes employées par Pilate pour gouverner ne plaisent pas à Rome. Alors, selon toi, Pilate veut à tout prix minimiser à nos yeux l'importance de la mission. Sans doute. Pilate est sans volonté, mais il est intelligent. Et il sait quels avantages le synode et Hérode pourraient espérer tirer de ces divergences. Césarée n'a-t-elle pas de port? Que craint donc Ponce Pilate pour faire débarquer les membres de notre mission en pareil endroit? Oh, moi je ne suis qu'un soldat, mon cher Gaius. Et je me contente d'obéir aux ordres que je reçois. Ah, voilà un moyen élégant et habile pour éluder ma demande. Tu habites la Judée depuis une trentaine d'années, Claude l'Africain. Et je suis sûr que nul mieux que toi ne connaît le pourquoi de certains ordres. Et nul mieux que toi ne peut comprendre la raison de mon silence. J'en suis sûr aussi. Alors laissons cela. Une arrivée officielle à Césarée aurait pu donner à penser qu'il y avait peut-être des divergences d'idées, pour ne pas dire plus, entre Rome et son représentant Judée, par exemple. Et quelqu'un aurait pu tirer profit de cette situation. C'est exact. Il est maintenant temps de partir. Pendant notre voyage, tu m'expliqueras un peu mieux le motif de ces mystérieuses précautions. Hé, hey, pressez-vous là-bas! À Rome, on parle beaucoup d'un certain Barabbas. Qu'en pense-t-on ici? Est-ce le libérateur qu'il prétend être? Ou est-ce un vulgaire bandit? Il se fait appeler le libérateur. Mais tu te rendras vite compte qu'ici, les choses ne sont jamais en réalité telles qu'elles vous sont apparues. Tu parles en philosophe? Non, non, en soldat. Peut-être même en soldat fatigué. Étant donné ta longue expérience, as-tu quelques conseils à me donner? Eh bien, si tu désires un conseil, je te dirai sans hésiter de suivre un homme exceptionnel qui se fait appeler Jésus de Nazareth. Combien d'hommes a-t-il sous ses ordres? Aucun. C'est un rabbin. Un prédicateur? Et tu crois que je pourrais me laisser entraîner par un prédicateur illuminé? Espérons que non. 30 ans de Judée peuvent avoir compromis mon état mental. Les voilà, Barabbas. Il faut commencer tout de suite par s'emparer des caisses d'or. Les taxes sont réparties en 8 caisses. Comment le sais-tu? Si tu avais mes sources d'information, c'est toi qui serais à ma place. À cheval, suivez-moi. Pas de vous enfuir. Ah! Viens, ma colombe, viens. Non! Non! Combien de caisses y a-t-il? 7. Il en manque une, il doit y en avoir 8. Cherche-la. Si elle a disparu, tu m'en répondras sur ta tête. La voilà, Barabbas, on l'a trouvée. Ah, je savais qu'il y en avait 8. Allez! Mettez-les tous ensemble et pressez-vous un peu. Cet or représente le montant des taxes payées par tes concitoyens. Si tu le prends, ils seront obligés de payer une deuxième fois. Va-t'en, toi. Je vais m'occuper de lui. Attends un peu, arrête. À nous deux, où veux-tu aller? Laisse-moi. Pitié, ne me tue pas. Non, pitié.
Et toi? C'est toi, Barabbas. C'est ainsi que tu veux libérer le royaume de Judée, en t'emparant des caravanes et en assassinant tes propres frères. Marie Madeleine, la maîtresse d'Anan. Où as-tu appris que j'étais dans cette caravane? Qui te l'a fait savoir? Ceux qui parlent de ta beauté et de ta grâce n'ont rien exagéré. Qui t'a dit que cette caravane transportait de l'or? Est-ce Anan, ton informateur? Anan. Comment oserais-je être de connivence avec Anan, l'illustre neveu du grand sacerdote? Ainsi, c'est donc ça. Maintenant, tu es sous ma protection. Et remercie-moi de t'épargner la vie. Barabbas. Où avez-vous été attaqué? Assez loin, au milieu de la vallée. C'était la caravane de la masse. Ils se sont emparés du tribut pour l'empereur. Il faut y aller. Oui, nous pouvons y arriver avant la tombée de la nuit. En route! Allez, goûte ce vin. Il est bon, tu sais. Préférerais-tu le goûter sur mes lèvres? Pourceau. Comment, tu me refuserais? Toi qui te vends à n'importe qui pour une poignée d'or. Hein? Tu es fine. Bah, tu préfères aller avec ceux qui sont riches. Hein? Moi, je suis riche et je peux te payer le prix que tu veux. Regarde ça, une bourse pleine d'or, c'est beau, hein? Et pourquoi te paierais-je? Tu es ma prisonnière. Ah, tu seras à moi, de gré ou de force. Barabbas, les Romains! Les Romains! Les Romains! Thank you.
Barabbas. Tue-le. Il est. Je t'attends à Jérusalem. Oui, je te retrouverai, Barabbas. Allez, rattrapez-le. Allez, allez, suivez-le. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Je faisais partie de la caravane que Barabbas a attaquée. Dis-moi ton nom. Je m'appelle Marie-Madeleine. Je suis de Jérusalem. Mais tu es gravement blessée. Il faut panser ton bras tout de suite. De quoi est-ce composé? D'herbes, d'essence, de fleurs, d'huile. Les plantes contiennent tout ce qui est nécessaire pour guérir. Tu es vraiment très belle. Romain, il est interdit de fraterniser avec les Juifs. Ordre de Tibère, tu l'ignores? Cela me paraît contre nature, mais c'est la loi. Une loi stupide. Ne pas être stupide, puisque c'est Tibère qui l'a faite. Tu as horreur de moi, parce que je suis romain? Mais non, tu te trompes. C'est plutôt moi que tu pourrais mépriser parce que je suis juive. Ce sont des bêtises. Je réprouve le principe de la supériorité d'un peuple sur un autre depuis des années. Je me suis rallié à cette idée après avoir été convaincu par un de mes amis qui est de ton pays. Un homme cultivé, un homme extrêmement intelligent. Il s'appelle Anan. C'est le neveu du grand prêtre. Tu en as peut-être entendu parler. Oh, il y a tellement de neveux à Jérusalem. Si je dois passer par Jérusalem, aurais-je l'espoir de te retrouver? C'est possible. Que penserais-tu de moi, Marie, si je refusais de me plier à cette loi? À cette loi ridicule. Je penserais que tu es un homme, Gaius. Alors, il faut te reposer maintenant. Tes soldats me tueraient certainement si je ne prenais pas soin de toi. J'en serais très malheureux. Au revoir, je reviendrai demain. Fou. Je ne veux pas qu'on te voie ici. Tu as peur que les Romains se rendent compte que nous sommes amis? Amis? Disons plutôt complices. Mais tu pourrais au moins me demander pourquoi j'ai risqué ma peau pour te voir. Alors parle. La caravane vient d'être reprise par les Romains. Ils nous ont attaqués par surprise. Beaucoup de mes hommes sont morts. Comment tu as laissé échapper comme ça 30 000 pièces d'or? Tu t'intéresses plus alors qu'à Marie-Madeleine. Marie? Oui. Elle était dans la caravane. Elle est maintenant avec les Romains. Elle a compris que nous sommes d'accord. Et comment se fait-il? Elle est intelligente, elle a deviné. Et pour de l'argent, Marie parlera. Non, pas elle. C'est vrai. J'oubliais la puissance de ton charme fascinant. Comment peut-on imaginer qu'elle te trahisse, hein? Pourtant, en ce moment même, elle est dans le désert avec Gaius, un centurion romain. Tu as bien dit Gaius? Tu le connais? Voilà qui m'évite la description. Vois-tu, Marie a la faiblesse commune à toutes les courtisanes, les hommes. Et je crois que dans un homme comme celui-là, elle tomberait facilement amoureuse. Va-t'en. Je m'en vais. Mais si Marie ou quelqu'un d'autre me trahissait... Va-t'en!
Nous devrions être à Césarée depuis 3 jours. Les hommes sont mécontents. Ce qui se passe sous cette tente est un mauvais exemple pour les légionnaires. Oh, tais-toi. Gaius a déjà oublié les ordres de l'empereur. Je t'ai dit de te taire. À quoi penses-tu? Je pense à une jeune fille. Elle se nommait Judith. À 17 ans, on l'a tuée. Pauvre enfant. Oh, mais il était très normal qu'elle meure. Que veux-tu dire? Elle s'est prise d'un homme. Ce fut là son crime. Savait-elle si elle était amoureuse de l'uniforme de son beau légionnaire ou si vraiment c'était l'amour? Comment aurait-elle pu le savoir à cet âge? Les parents tentèrent de faire obstacle à leur amour. Mais ils voulurent se revoir, en promettant que ce serait vraiment la dernière fois. Cette nuit-là, Judith, sur la place du temple, fut lapidée par la foule. Le soldat fut puni à son tour et déplacé. C'était une juive? Et lui, un Romain? Oui. Et c'est cette pensée qui te préoccupe? Marco! Que signifie ce signal? J'ai donné l'ordre de lever le camp. Pourquoi? Que se passe-t-il? La femme juive est partie. Quoi? Et tu l'as aidée? Exactement, je l'ai aidée. Mais
Tu es fou. C'est de l'insubordination. Marco, tu ne peux pas savoir. Je sais que tu l'aimes. Je comprends ce que la séparation doit te coûter. Il te reste ton devoir de soldat. Hé, vous autres, préparez les chevaux. Vite, nous partons tout de suite. Nous avons eu très peur pour toi. On nous a dit que la caravane avec laquelle tu voyageais avait été attaquée. Qui vous a dit cela? Moi. Oh. Comment l'as-tu su? J'ai besoin de te parler. Comment l'as-tu su? Barabbas? Je désirais avant tout que les Romains n'arrivent pas à la même conclusion. Tu avais peur que je m'installe avec les Romains et que je te trahisse avec eux. Tu sais, ton excellent ami Barabbas a voulu abuser de moi. J'ai confiance en ton bon sens. J'espère que tu as été particulièrement gentille avec les Romains. Je suis fatiguée. Viens ici. Je ne suis pas ton esclave. Tâche de t'en souvenir. Et je suis encore libre de mes actes. Je vais à Césarée pour plusieurs jours. Mais dès que je rentrerai, nous donnerons une grande réception pour fêter ton retour. Si tu veux. Mais ailleurs que sous ce toit. Ma sœur et mon frère n'aiment pas les agapes, tu le sais. Ici, nous sommes chez nous. Et c'est ici que nous recevrons nos invités. J'ai lu des critiques de Rome sur ma façon d'administrer la Judée. Au fond, César considère que c'est un échec absolu. Et je suis obligé de reconnaître malheureusement que c'est la vérité. À mon avis, tu attaches une importance exagérée à ces critiques. Mon épouse Claudia pense comme moi. Oui. Le ton demeure très mesuré, bien sûr, mais le sens reste le même. Rome se souvient des succès que tu as obtenus quand tu administrais l'Espagne, Alexandrie et d'autres provinces. Ah oui, certes, mais c'était en Espagne, Alexandrie, ces succès-là. À présent, je suis en Judée, centurion. C'est une terre mystérieuse qui défie la logique d'un homme pratique, d'un homme bien équilibré. Alors, tu crois que nous, qui avons pour ainsi dire conquis le monde, n'arriverons pas à faire la loi sur ce lambeau de désert? Je veux dire simplement que moi, je ne trouve pas la solution. Mais je suis prêt à en accepter une. La force militaire est capable de rétablir l'ordre et de faire respecter la loi, Pilate. Très bien. Continue. Nous éliminerons rapidement les pillards et assurerons les communications. Pour ma part, je te donnerai mon entière collaboration, dans la mesure de mes pouvoirs. Peux-tu m'expliquer pourquoi ces gens sont si difficiles à gouverner? En un mot, ils veulent leur liberté. Ne se rendraient-ils pas compte de ce que Rome fait pour eux? Cela peut te sembler étrange, mais c'est ainsi. Et ce qui complique les choses, c'est qu'Hérode le Grand veut la liberté à sa manière, et le synode, lui, la voit d'une manière différente. Et puis, il existe encore toute une masse de démagogues qui soulèvent la plèbe avec tous leurs discours. Et ce Jésus de Nazareth, comment est-il? C'est un jeune exalté, originaire de Galilée. Ceux qui l'ont entendu disent qu'il est très persuasif. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent abattre l'aigle impérial? Il proteste contre l'emblème de Rome.
placés devant leur temple. Serait-ce une insulte à leur dieu? Peut-être pas. Mais rappelle-toi que l'empereur Tibère est tout-puissant. Cet emblème a été mis là pour le leur montrer. Cette manifestation est en ton honneur, Gaius Marcellus. Il faut la réprimer. Si tu veux, essaie. Avec ta permission. C'est un endroit sacré, mes frères. Cette aigle est une offense à notre dieu. Abattons-la. Abattons-la. Les oppresseurs romains taxent le peuple et méprisent notre religion. Faisons tomber cette aigle dans la poussière. Brisons, piétinons cette aigle de pierre. C'est le symbole de Rome. À nous la liberté. Venez, venez abattre ce symbole de la tyrannie. Ah non. Toi ici? Je suis venu à Césarée juste pour quelques jours. Puis-je espérer un entretien avec toi? Tu plaisantes? Pourquoi toutes ces cérémonies? Nous sommes amis ainsi que nous l'étions à Rome. Ici, tu es le Romain puissant qui ordonne. Moi, en tant que juif, je dois t'obéir. Mais au fond, nous sommes encore des amis. Et je vais t'exposer mon opinion sur ce qui vient de se passer. Ce n'était qu'une pacifique démonstration. Pourquoi tes soldats sont-ils intervenus? Ils ont détruit l'emblème de Rome. Choisir justement la place du temple pour mettre l'aigle romaine était une provocation, avoue-le. Tu pourras réparer en faisant rendre la liberté à tous les prisonniers. Il serait ridicule de nous montrer faibles à un tel point. J'ai confiance en ton discernement et en notre vieille amitié. Je vois un enfant parmi vous. Qu'il s'avance. Tu es encore un enfant. Pourquoi t'es-tu mêlé à ces manifestants? Allons, réponds. Alors, petit, qu'as-tu à me dire? C'est moi, moi qui l'ai amené avec moi. Je dois être puni pour cet innocent. Rappelle-toi mes paroles, ô Pilate. Un grand événement va arriver. Celui qui libérera le peuple d'Israël est déjà parmi nous. Et bientôt, tous les Romains sont à jamais vaincus et chassés de la terre de Judée. La peine en vigueur pour cet acte de rébellion est de 100 coups de fouet. Emmenez-le. Ce n'est qu'un vieillard vibrant de foi. Pourquoi le punirais-tu pour cela? Je crois que c'est un conseil avisé. Suis-le, Pilate. Comment? Tu m'accusais de manquer de fermeté envers ces gens-là. Et maintenant, tu prends leur défense. Tu es le gouverneur. C'est à toi de décider. Un instant. Ramenez-le ici. Dis-moi, qui est celui qui va, selon toi, libérer la terre d'Israël? Chacun devrait savoir que c'est l'homme dont ont toujours parlé les prophéties. Il est dès maintenant parmi nous, je le sais. Toute la Judée le bénit et il l'inonde de ses miracles. Les paralysés marchent, les aveugles voient. Rome calmera cette exaltation. Non! Les lances de tes hommes d'armes se plieront devant lui comme des joncs sous le vent de la tempête. Et le bronze de leur cuirasse fondra bientôt comme la cire au soleil. Dehors! Emmenez-le dehors! Sortez tous! Tu as entendu? Tu as vu? Mais d'après toi, Gaius, qu'est-ce que c'est? Des fous? Des fanatiques? Ou un peuple confiant en dévotion? Je l'ignore. Oui, je l'ignore. Ah, ah, tu es prudent, centurion, en répondant que tu ne le sais pas. Depuis Jean-Baptiste, ils ne se sont jamais exaltés comme cela pour un nouveau prophète. Tu continues à t'intéresser à cette affaire? C'est mon devoir. Mais revenons-en plutôt aux prisonniers. Que vas-tu en faire?
Je ne peux pas les libérer. L'autorité romaine a subi un rude affront. Mais au fond, c'est toujours comme ça. Ils nous haïssent et nous insultent, je les emprisonne et rien ne change. Et si nous leur demandions de les échanger contre la tête de Barabbas? Ça pourrait être un moyen d'en sortir. Va au synode à Jérusalem et discute du sort des prisonniers. Moi, je te rejoindrai dans quelques jours juste pour la Pâque juive. Un envoyé de Rome est à Jérusalem pour négocier avec le synode. Puisse le Seigneur rendre la liberté à nos frères. Comment s'appelle cet envoyé? Gaius, m'a-t-on dit, il est arrivé en Judée depuis quelques jours. Alors je retourne voir au temple et j'apporterai d'autres nouvelles. Marie. C'est lui. Oui. N'oublie pas que c'est un Romain. Il m'a sauvé la vie. Et puis il est si différent des autres. Que comptes-tu faire ensuite? Je n'en sais rien. Je suis sûr que maintenant tu es persuadé de la bonne foi de Ponce Pilate, le représentant de Rome, et que tu es convaincu de l'intérêt que je vous porte personnellement. Je remercie vivement le gouvernement de Rome pour sa clémence. Tout ceci nous donne l'espoir que la période de la violence est finalement terminée. C'est mon désir. Et je tiendrai ma promesse de confier Barabbas à la justice de Rome le plus tôt possible. Merci, Gaius. Tu m'as donné une nouvelle preuve d'amitié en intercédant pour la libération des prisonniers. C'est plus prosaïquement une heureuse coïncidence. Oui, ce qui nous intéresse, c'est de capturer Barabbas. À propos de Barabbas, il paraît que lorsque tu as sauvé la caravane, tu as libéré une très jolie femme. Comment le sais-tu? Il est difficile aux légionnaires de garder un secret. Dis-moi son nom. Elle s'appelle Marie et elle habite Jérusalem. Ah, probablement une courtisane. À Jérusalem, il y en a beaucoup. Si tu connaissais cette femme, tu ne dirais pas ça. Pardonne-moi, je suis désolé. J'espère que l'amour ne t'empêchera pas d'accepter une invitation agréable. Ce soir, une de mes amies donne une grande fête. Pourquoi ne serais-tu pas des nôtres? Je ne refuserai jamais l'invitation de la vieille amie, mais je suis romain et ta religion... Cache ta tunique sous un manteau. Comme cela, personne n'y prêtera attention. Laissez-le partir. Marie, j'avais peur de ne plus te revoir, tu sais. Pourquoi t'es-tu enfui? Je pensais que ce serait mieux pour toi et pour moi. Et j'espérais bien que je ne fléchirais pas. Mais aujourd'hui, quand j'ai appris que tu étais à Jérusalem, j'ai compris que je devais venir te voir une fois encore pour t'expliquer. Tu sais que je t'aime. Non, je t'en prie. Mais enfin, de quoi as-tu peur? Tu es avec moi et tu n'as rien à craindre de personne, Marie. Pilate est mon ami. Tibère me protège et m'estime. Ce n'est pas d'eux que j'ai peur. Mais de qui, je voulais savoir? De moi-même. Et de toi. De moi? Mais je ne veux que ton bonheur. Tu le sais, pourtant, je ferai n'importe quoi pour toi. Tu viendras avec moi à Césarée, à Rome. Tu ne finiras pas comme la pauvre Judith. Ah, que ce serait beau. De pouvoir toujours nous aimer ainsi, jusqu'à la mort. Rien ne pourra nous en empêcher. Non. Non, le moment n'est pas venu. Gaius, je veux que tu me promettes une chose. Alors demande. Il faut que je parte. Promets-moi de ne pas chercher à me revoir. Quand ce sera possible, c'est moi qui irai te retrouver.
Je ne te promettrai jamais ça. Mais il le faut. Marie. Ne me demande rien de plus. Souviens-toi que je t'aime. Et aie confiance en moi. Sois le bienvenu sous ce toit. Notre amie n'est pas encore prête à te recevoir, mais j'espère que tu la trouveras aussi attirante que la mystérieuse dame de tes songes. Lavinia? Oui. Oh. Lilia? Mon ami Gaius est arrivé. Ah, quand tu sais choisir tes amis. Oh, regardez-le, le voilà. Liez-le bien à la colonne. Qui est-ce? Un disciple de Jésus de Nazareth. C'est un de mes esclaves qui prêche la pureté dans les rues. J'espère que notre belle hôtesse finira par le convaincre enfin que le péché est plus amusant que la vertu. Ce pauvre esclave est un saint homme, Marie. Tu commettrais un sacrilège. Et Dieu te punira pour ça. Oh, ça, tu m'ennuies à la fin. Pourquoi ça, veux-tu me le dire? Il m'a faite comme je suis. Ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser. Ne blâme que toi et le diable. Tu as mis ta beauté au service de Satan. Si vraiment je suis la fille de Satan, je peux bien vivre en pécheresse. Je t'en supplie, Marie. C'est par toi, Dana. Oh non, Martha, c'est comme ça. La jalousie d'Anon ne fait qu'augmenter. Tu peux le constater. Alors, je subirai tous ses caprices jusqu'à ce que je puisse me libérer une fois pour toutes. Maintenant, va-t'en. Allez, laisse-moi seule. Sortez. J'ai un but maintenant. Un but. Lequel? Gaius Marcellus? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Elle est venue me voir pour cette esclave illuminée. Elle a peur que je parvienne à le contaminer. Marie, je... Oh, je t'en prie, Marthe, laisse-moi tranquille. Un cadeau pour toi. Il rendra ta danse encore plus excitante. Pourquoi un masque? Mon visage ne te plaît plus, sans doute. Tu es très belle, mais en portant un masque, je ne risquerai pas d'être distrait. Tu es souffrante? Je suis prête. Thank you.
Maria. Que se passe-t-il? Elle doit être malade. Je n'en sais rien, je vais le lui demander. Maintenant, chers amis, vous allez voir une autre danseuse. Marie. Gailleuse. Tu devrais avoir honte. Tu n'as pas de respect pour ta religion. Maintenant, tu sais tout. Oui, je suis la maîtresse de ton ami Anand. Tout le monde le sait. Tu... Va-t'en, je t'en prie, laisse-moi seule. Excuse-moi. J'ignorais que cette mystérieuse beauté, c'était Madeleine. J'ai détruit tes belles illusions à présent. Oui, c'est pour ça que tu m'as invité. Madeleine est ma maîtresse. Comment pouvais-je imaginer qu'il s'agissait de la même femme? Non, Gaius, c'est elle qui s'est jouée de toi. Ça fait partie de sa perversion. Gaius? Je suis Marthe. Marie est ma sœur. Je t'en prie, tu ne dois pas la haïr. Elle n'est pas mauvaise ou fou. Elle est sincère. J'imagine que c'est le Nazaréen qui vous enseigne que le vice devient vertu. Je te pardonne ce blasphème. Crois-moi, laisse-la tranquille maintenant. Mais je t'en prie, ne sois pas trop sévère. Madeleine. C'est un miracle. Jésus vient de m'apparaître. Tu l'as appelé sans doute. Et il est venu. Mais pourquoi un saint répondrait-il à une pécheresse? La pécheresse a besoin de lui. Et la brebis égarée lui est plus chère que les autres. Léa s'est surpassée aujourd'hui. Elle n'a pas réussi à l'émouvoir. Cet homme a un cœur de pierre. Allons, descends, veux-tu? Nos amis sont impatients de te voir. Non, ne me touche pas. C'est la vue de Gaius qui t'a troublée à ce point, ma chère? Non, jamais personne ne me touchera plus. Je le jure. Plus personne. Elle est ivre. Quand elle sera un peu mieux, envoie-la-moi. J'ai tort d'avoir peur. Non, j'ai certainement dû me tromper. C'est une fantaisie de mon imagination. Non, les messages de Dieu ne sont pas des sorcelleries. Marthe, va libérer ce saint homme. Assure-toi que personne ne lui fasse de mal ou l'insulte. Veux-tu lui parler un moment? Non. Non, fais-le partir. Demain,
J'irai jusqu'au temple. Je veux me purifier. Mais tu n'y songes pas? Tu sais qu'il t'est interdit d'entrer dans le temple. Si tu es reconnu, ils vont te lapider. Cela ne fait rien. Je veux prier le Dieu d'Israël. Marie, Marie, réfléchis. Je t'en supplie. Non, prends celle-ci, elle est bien plus jolie. Mais cette femme est Marie-Madeleine. Ben oui, c'est elle, j'en suis sûr. C'est un sacrilège. Gaius, toi seul peux la sauver. Viens, je t'en prie. Et pourquoi est-elle allée au temple? Nous ne sommes pas arrivés à la convaincre que c'était une folie. Et l'entrée m'en est interdite. Je suis un païen. Un centurion, ils ne diront rien. Tu sais qu'ils vont la lapider si tu attends. Ainsi, tu as offensé le Dieu d'Israël. Tu n'échapperas pas à sa punition. C'est la courtisane de Magdala. Elle a profané le temple. Tu devras payer ce sacrilège par la mort. Lapidez-la! Arrêtez! Voilà Jésus, l'homme des miracles! C'est une prostituée, c'est la maîtresse d'Anon! On la connaît! Elle a profané le temple! Selon la loi de Moïse, il doit être lapidé. Tu es un saint homme. Dis-nous ce qu'il faut faire. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Allez, joue encore une fois. Allez, joue à toi. Ah, très bien, j'ai gagné. Maintenant à qui? Ah, bon, je reste. Pas si vite, eh. Oh, 8, 14, 16, 28. Il y a quelqu'un qui veut boire. Viens. Oui. Prends ma place. Alors, où en êtes-vous? Tiens, tiens. Je croyais qu'il ne fallait pas qu'on nous voie ensemble. Je suis venu pour t'avertir que le synode vient de promettre de te livrer aux Romains. Tu devrais quitter Jérusalem tout de suite. Et à propos, ça t'arrangerait bien. Après tout, si tu as envie d'être crucifié, reste ici. Mais ailleurs, tu serais plus à l'abri. Comment se fait-il que tu te soucies tant de ma personne? Tu n'es d'aucune utilité pour moi en cellule ou mort. Je tiens à ta vie. Tu tiens plutôt à l'or que je t'apporte. Pour deux. Tant que durera ce désordre, nos affaires s'arrangeront. Oui, c'est vrai. Plus les eaux seront agitées, plus nous nous enrichirons. Bravo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te remercie, mais vois-tu, je sais pas pourquoi, mais je me sens plus en sécurité dans mes grottes. Fais comme tu l'entends. Excuse-moi, mais ma maîtresse ne peut pas te recevoir. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Laisse-moi passer. Je t'en prie. Elle est malade, laisse-la. Oh, ne me raconte pas d'histoire. Je connais sa maladie.
Elle est envoûtée par ce Galiléen depuis qu'elle l'a vu devant le temple. Que veut-elle faire maintenant? Se murer dans sa maison? S'abîmer dans la prière? Tu es un Romain. Tu as mis ta foi en d'autres dieux. Ne me parle pas de ma foi. Le Nazaréen aidera, Marie. Si tu l'aimes, laisse-la tranquille. Mais je peux l'aider, moi aussi. Gaius, je t'en prie. Un instant. Gaius te demande encore. Il veut te voir à tout prix. Et tu n'as pas de raison pour refuser de lui parler. Tu vois, il t'aime et je suis certaine que tu le convaincras. Pourquoi le fais-tu souffrir? Marc, tu devrais comprendre. Si j'acceptais son amour, je le ferais souffrir encore plus. Pourquoi continuer à lutter contre toi? Jésus de Nazareth n'a jamais demandé ça. Oh, assez avec ton Nazaréen. Je ne veux plus entendre parler de lui maintenant. Mais comment oses-tu dire cela? C'est le Messie. Le Messie? À quoi penses-tu? Vous êtes tous fous depuis qu'il vous a parlé. Pourquoi votre Messie viendrait-il vers moi? Pourquoi? Il t'a pardonné, Marie. Son pardon ne signifie rien. Je sais ce que je suis. Et je sais comment ça finira. Ah, c'est comme ça que les Romains s'arrangent pour conquérir les femmes. Pourquoi n'es-tu pas venu avec tes légions? Eh bien, allez, parle. Allez, tu es le grand vainqueur. Marie. Un jour, tu as dit que tu avais peur de moi. Tu n'as pas oublié. Tu avais peur que mon amour pour toi s'effondre devant les difficultés. Tu t'étais trompé. Nous allons partir tous les deux. Nous pourrons oublier tout le reste. Non, laisse-moi, je ne veux pas. Pars, je t'en prie. Marie. Gaius, tu sais quelle femme je suis. Eh bien, tu n'es plus rien pour moi. Et tu n'as jamais rien été. Non, tais-toi. Tiens, voilà mon amant. Anan m'a payé tout ce qui est là. J'appartiens à Anan. Tu l'aimes, Marie? Tu es un être impossible, il faut bien le dire. Mais je suis un homme impossible, moi aussi. Nous allons bien ensemble. Ensemble? Je vais inviter nos vieux amis. Tu pourras me demander tout ce que tu voudras. Nous partirons le plus loin possible. Oui, rien que toi et moi, n'est-ce pas, non? Enfin, je te retrouve. Mais pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu sais que Lazare est très mal. Ne le laisse pas maintenant. Oui, je sais. Je ne vais pas rester à Jérusalem plus longtemps. Je dois partir. Tu essayes de t'échapper. Dieu te suivra partout. Tu ne lui échapperas pas, car il vit en toi. Allô, Zah! Sarah, Myriam, vite! Préparez tout, nous partons.
silence, je vous en prie. J'ai marché pendant des jours. Je suis venu de bien loin et je suis vieux. Oh, j'aimerais tant le voir avant la mort. Moi aussi. J'ai amené ma femme et l'enfant. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai entendu prêcher. Et je me rappelle chaque mot qu'il a dit. Attendez. Attendez, pas si haut. Le maître est en prière. Il est fatigué. Encore un peu de patience. Demain, il vous entendra tous l'un après l'autre. Ah non, non, non. Non. Sois la bienvenue, Marthe. Pourquoi arrives-tu si tard? Tu devais venir plus tôt. Je vais bien trouver un petit coin pour toi et ton frère. Merci, Judas Iscariot. Mais j'aime mieux le ramener à la maison. Non, non. Non, il faut rester. Tu n'as pas entendu? Demain, il va nous parler. Tu as toute la vie, Lazare, pour l'écouter. Il faut avoir confiance en lui. Il ne t'abandonnera pas. Marthe a raison, Lazare. Dieu n'abandonne rien, ni personne, pas même les méchants. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez attirer les gardes romains? Allez-vous-en. Mais on ne fait rien de mal, on est venu voir Jésus. Ah, Jésus. Laissez-moi passer. Le Galiléen, le Messie des gueux et des innocents, on pourrait peut-être le choisir comme chef. Le royaume de Judée sera libéré quand les poissons se mettront à nager dans les cieux. Comment s'en sortirait-il, votre fameux Messie, s'il se trouvait devant mon épée? Je serais curieux de voir s'il peut arrêter ma lame et si les mots sont plus forts que l'épée. Il sert à distraire l'attention des Romains, alors mieux vaut lui que toi. Tu as raison. Vous êtes des fous. Tous des fous. Et vous suivez quelqu'un encore plus fou que vous. Allons, vous autres. Suivez-moi. Viens, rentrons à la maison. Non. Non. J'ai besoin de voir Jésus. Non. Eh bien, où as-tu laissé toutes tes femmes? Je regrette, mais j'en ai une seule. Celle-ci. Et c'est la plus belle de toutes les femmes. C'est Madeleine que tu caresses ou son ombre? À quoi rêves-tu donc, Madeleine? Où es-tu? À Césarée, à Jérusalem ou à Rome? Ah, mon ami, ça n'a vraiment pas d'importance. Son beau corps est ici, tout près de moi. C'est tout ce qui compte. Non, ne me touche pas, je n'en peux plus. Madeleine, tu as perdu la raison? Je veux repartir pour Jérusalem. Voir qui? Tu crois peut-être que je ne sais pas où tu veux aller? Tu oublies que tous les hommes sont loin d'être aussi conciliants que je le suis. Au fond, tu m'as toujours tout accordé, Anand. Excepté ta confiance. Je t'avertis que si tu sors, ce sera pour toujours. Jamais je ne te reprendrai, même si tu m'en supplies à genoux. Jamais tu ne me reverras. Je me suis assez humiliée comme ça. Reprenez la danse. Thank you.
Marcellus est parti. Il est à Césarée. Pourquoi veux-tu le voir? Quand revient-il? Je n'en sais rien. Et si toutefois je le savais, je me garderais de te le dire. Un moment. Je sais que tu l'aimes. Mais tu devrais pourtant comprendre le danger que cela comporte. Si tu n'as pas peur pour toi, au moins pense à lui. Oui, c'est vrai. Je crois que tu as raison. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ne le dises pas que je suis venue le demander. Qu'est-il arrivé? Répondez-moi! C'est à cause de Lazare? Il est mort. Oh. Il est trop tard. Il est trop tard et il t'a tant appelé. Il espérait te voir une dernière fois. Dieu a voulu me punir. Il me punit par la mort de notre frère. Non, Marie. Tu ne dois pas parler comme cela. J'en suis sûre. Si j'avais agi moins égoïstement, Lazare ne serait pas mort. Nous prenons part à ta douleur, mais personne ne peut rien contre la mort. Pourquoi n'avez-vous pas appelé Jésus avant qu'il ne soit trop tard? Qu'avez-vous fait de votre foi? Je suis là, Madeleine. Tu es venue, merci. Lazare est sauvé. C'est ta foi qui l'a sauvé. Lazare. Lazare. Lève-toi. Et marche. Écoutez-moi, frère, écoutez-moi. Nous sommes vraiment le peuple élu. Le royaume de Dieu vient à nous, comme il a été dit par nos prophètes. C'est bien lui que nous attendions. Ce sera bientôt la fin de notre esclavage. Que se passe-t-il? Les citoyens de Jérusalem se rassemblent dans les rues.
En effet, toute la population est en émoi à cause du Nazaréen. Enfin venu. C'est bien il parle lui, de son dernier miracle. Il a ressuscité un mort, paraît-il. On va la décéder. Non, non, cette fois c'est vrai. On sait son nom, Lazare de Magdala. Comment dis-tu qu'il s'appelle? Lazare, le frère de cette juive. Avant le miracle, elle était venue ici te chercher. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite? Parce que j'ai pensé qu'il valait mieux te le cacher. Or maintenant, je doute, je ne sais plus ce qui est bien ou mal. Où est Madeleine? Elle est allée rejoindre le Nazaréen. Où ça? Chez Simon, le pharisien, où Jésus est hébergé. Gaius! Mais elle est folle! Pourquoi? Pourquoi ainsi s'humilier devant tout le monde? Elle n'est pas une esclave! Non. Marie aime Jésus. Ah, c'est donc ça? Oui. Mais ce qu'elle ressent n'est pas un amour terrestre. Eh bien, quelle sorte d'amour est-ce alors? C'est un amour qui vient de l'âme, pur et éternel. Si tu ne peux pas le comprendre, au moins respecte-le. Maintenant, il faut lui pardonner du fond du cœur et la laisser suivre son chemin. Si elle préfère Jésus à moi. Marthe, je te préviens pour ton bien et pour le sien. Dans le pays, de nombreuses personnes pensent que c'est un imposteur. Et elles sont décidées à tout. Cet homme a su s'allier toute la population. Il nous faut absolument détruire son pouvoir. Oh, pas du tout. Ce serait très risqué pour nous de nous opposer à lui en ce moment. Quand alors? Quand tout le monde nous aura tourné le dos? Quand on lui aura dédié un temple où il sera adoré comme un dieu? Et s'il était vraiment le Messie? Souvenez-vous des présages. Rappelez-vous qu'il est né l'année où la comète est apparue. Impossible! Mais non, nous sommes la loi! Tu as raison! C'est un démagogue! C'est un faux prophète et rien d'autre! Du calme! Du calme. Aujourd'hui, le Galiléen sera à Jérusalem. Nous verrons comment il se comportera et nous agirons comme nous croirons devoir le faire. Ils sont plus exaltés encore que le jour du couronnement d'Hérode. Ils sont complètement fous. Suivons-les, c'est prudent. Thank you.
Cornelius. Si tu veux t'en aller, je contrôlerai seul la situation. Au moindre signe de rébellion, charge la foule. Si le Galiléen veut résister, n'hésite pas. Mais ce ne sont que des enfants, des femmes et des vieillards. Je pense que tes informateurs ont exagéré le danger qu'ils représentent. Ai-je sollicité ton opinion ? Le Galiléen est entré dans le temple et il a chassé les marchands avec un fouet. Il a profané le lieu saint de sa colère. Et les fidèles ? Les fidèles se sont aussitôt mis avec lui contre les marchands et ils l'acclament comme leur messie. C'est incroyable ! Cet homme est contre nous ! Il faut agir sans tarder. Il faut le condamner ! Attendre plus longtemps, ça fait son jeu. Mais toute discussion est inutile tant que nous ne l'aurons pas interrogé. C'est alors que nous verrons si c'est un faux messie. Vous connaissez, je pense, le genre de châtiment qui attend l'homme reconnu coupable d'un tel délit. C'est la mort, par crucifixion. Pilate, nos informateurs ont entendu des cris séditieux prononcés contre Rome. Tu les as entendus ? Non, pas moi. Je ne peux pas être partout à la fois. Je n'ai rien entendu. Tu y étais ? J'y étais, en effet. Et tu commettrais, à mon sens, une erreur grave en intervenant avec tes soldats. Claudia et... Gaius Marcellus. Dans ce pays, il est presque passé dans les habitudes de tenir des propos séditieux contre Rome. C'est devenu aussi normal que de manger le pain zime pour la Pâque. Les cris qui ont pu être entendus ne seront certainement pas plus dangereux que les autres. Mais enfin, tu as vu la masse de cette population en mouvement. À un tel point, la moindre étincelle suffirait à y mettre le feu. Salut, Pilate. Annon, l'envoyé du synode, te demande audience. Il a aussi envoyé un émissaire du roi Hérode. Qu'ils entrent. Je te demande instamment de contrôler un peu mieux tes sentiments. Et rappelle-toi que tu es l'épouse du procurateur de la Judée. Le synode m'a chargé de t'exprimer sa... Laissons ces cérémonies pour une autre fois. Qu'es-tu chargé de me demander ? J'ai demandé à être reçu pour t'informer dès aujourd'hui que les prêtres sont prêts à faire crucifier Jésus de Nazareth, en démasquant publiquement le vrai but de ce faux prophète. Et dans ces graves circonstances, ils aimeraient savoir la position du procurateur de Rome. Tu sais ce que je pense. Je ne veux pas d'une façon générale être mêlé aux questions religieuses. Mais si malheureusement on vous démontre qu'ils complotent aussi contre Rome. Alors je serai obligé d'agir. Oui, nous avons pu nous rendre compte de l'esprit de rébellion qui anime cet homme dangereux. Contre Rome ? Oui, des témoins le diront. Donne-moi ces preuves. Ton nom ? Erza. Tu es un disciple de Jésus de Nazareth. Oui, je l'étais. Pourquoi as-tu abandonné ton maître ? Parce que... il veut que ses disciples se révoltent. Et contre qui ? Contre le roi. Contre les prêtres. Et contre Rome. Viens ici. Pourquoi es-tu enchaîné ? J'ai violé la loi. Et on t'a promis la liberté ? Non. Et tu espères l'obtenir ? J'espère que le roi se montrera généreux, oui. Tu as d'autres preuves ? Oui, j'ai encore de nombreux témoins qui te diront qui conspire contre Rome. Rome saura se défendre. Gaius Marcellus prendra toutes les mesures nécessaires. Nous allons enfin éliminer tous ceux qui menacent la paix de Jérusalem et qui osent défier le pouvoir souverain de Rome. Ah non. Je me suis laissé dire que le Galiléen se cache. Où est-ce qu'il se cache ? Je crois que l'un de ses plus chers disciples est prêt à le trahir. C'est une question de prix, bien sûr. Comme en toute chose.
26, 27, 28, 29 et 30. Où est-ce? Viens avec moi. Alors, tu ne dors pas? Non. Je suis inquiète. J'ai peur, Marthe. Tu as peur? Pourquoi, Marie? Nous sommes à côté de lui. C'est justement pour lui que j'ai peur. J'ai comme une sorte de pressentiment. Je suis angoissée comme à l'approche d'une chose terrible. J'ai l'impression d'entendre comme un bruit de pas. Les pas d'une troupe. D'une troupe de soldats en mouvement. Marthe, écoute. Des soldats. Je le sentais. Ce sont les soldats, les légionnaires. Gaius, Gaius, tu ne peux pas l'arrêter, il est innocent. Tu es venu plus tôt que je ne pensais. Aide-moi, Anno. Aide-moi. Ils ont arrêté Jésus. Use de ton influence pour le libérer. Ton Galiléen appartient aux Romains. Je ne peux rien pour lui. Anno. Anno, tu m'aimais avant. Tu m'aimais. Peut-être m'aimes-tu encore. En souvenir du passé, je t'en supplie. Anon, sauve Jésus. Sauve-le. Je ne suis pas sentimental au point de me laisser fléchir par tes supplications. Oublie donc Jésus, il est condamné. Non, ce n'est pas possible. Je veux le sauver. Même si je dois implorer Barabbas. Tu vas aller porter ceci au centurion Gaius Marcellus. Ah. Toi ici, Marie-Madeleine, que veux-tu? Te demander ton aide, Barabbas. Mon aide? Et Anna, il en a assez de toi?
Je veux que tu attaques cette nuit la forteresse et que tu libères Jésus. Jésus? Il ne peut donc pas se libérer tout seul. C'est l'homme des miracles, pourtant. Alors je devrais libérer le libérateur de la Judée. Tiens, je t'ai apporté tout ce qui me reste de précieux. Alors c'est vrai. Tu veux te ruiner pour lui. C'est magnifique. Tu vas libérer notre Messie. Le Messie. Voilà le vrai Messie d'Israël. Voilà la véritable force avec laquelle David, Saül et Judith ont libéré le peuple hébreu. Alors ! En avant ! Prenez des armes ! Défendons-nous ! Espèce de lâche, défendez-vous! Où allez-vous par là? Battez-vous! Barabbas! Oui, je suis là! Tu vois, je suis au rendez-vous, centurion! Allez, rends-toi, Barabbas! Viens me prendre si tu veux! Je cherche des compagnons pour l'au-delà! Arrêtez! J'ai un vieux compte à régler. Pilate veut t'avoir vivant. Personne ne connaissait mon refuge. Qui m'a trahi, Gaius? Un bon ami à toi? Ah non. Mon cheval. Ma
Marie. Je vais demander à Barabbas de libérer Jésus. Je ne sais plus à qui m'adresser. Tu t'intéresses donc tellement à lui? Gaius, je t'ai vraiment aimé. Si je t'avais connu plus tôt, peut-être ma vie aurait-elle pu être différente. Mais l'amour que j'éprouve pour Jésus domine à présent toutes mes pensées. Ta sœur Marthe a essayé de m'expliquer. Je n'ai pas voulu l'écouter. Mais quand je l'ai enfermée dans sa cellule, j'ai commencé à comprendre. Gaius, Jésus ne mérite pas la mort. Il est innocent. Viens, je vais te conduire près de lui. Pourquoi fais-tu cela? Je ne sais pas. Ne me demande rien. Mais pourquoi Hérode veut-il donc que ce soit moi qui rende la sentence? Le roi Hérode a confiance en la justice de Rome. Ne le condamne pas. Ce serait pire qu'un crime. Il n'enseigne pas la violence. Il parle au peuple d'amour et pas de haine. Il dit aux malheureux qu'ils hériteront de la terre. Les abandonnés? Les malheureux. Ils hériteraient de la terre. Mais Rome n'admettra jamais ce principe-là. Ce n'est absolument pas une idée de paix. Elle est pleine d'une violence irrésistible. La charité est violence? La paix est violence? Non, la paix est la paix. Et si cela doit entraîner la chute de Rome et de sa puissance, alors laisse Rome crouler dans la poussière. Je serai obligé de trahir pour sauver ton Dieu? Il n'y a aucune solution. Peut-être. Mais Rome me désapprouvera, ainsi qu'Hérode et le grand synode. Mais la loi dit que durant la Pâque, j'ai le droit de demander la grâce d'un condamné. Je laisserai le choix au peuple, Barabbas ou Jésus. Le sang d'un bandit contre celui d'un homme juste. Nous pouvons nous fier à lui. Il a foi en toi. Il sait comment t'aider à fuir. Non, Marie. Mon destin a été décidé par mon père. Ce qui est écrit s'accomplira. Mais il est trop injuste que tu meurs pour leur péché. Ne condamne pas. Chaque homme croit être dans le vrai. Nous devons pardonner. Pardonne à ton prochain et aime-le comme toi-même. Seulement ainsi, tu vivras dans la paix du Seigneur. Emmenez-vous. C'est un ordre de Ponce Pilate. Lui et le Galiléen devront comparaître devant le peuple qui décidera lequel des deux sera gracié. Le peuple n'abandonnera pas Jésus. Je l'espère. Contre les Romains. Oui, oui, on va faire gracier. Oui, c'est vrai. Crier pour Barabbas. Oui. Vous compris? Oui, oui, oui. La liberté ne s'obtient pas par des prières. Mais si c'était vraiment le Messie. Le vrai Messie aurait réussi à passer les murs de sa prison. Ce Jésus est un imposteur. Mais oui. Bon pour les imbéciles comme toi. Les voilà. Ils arrivent. Les voilà. Les voilà. Barabbas. Thank you.
Écoute, ô peuple d'Israël, j'ai fait comparaître devant toi deux hommes, Jésus de Nazareth et Barabbas, condamnés à mourir par la crucifixion. Selon la loi, moi, Ponce Pilate, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je laisse au peuple le droit de choisir lequel des deux condamnés devra être libéré, Jésus ou Barabbas. Jésus! Chez Barabbas. Je suis innocent du sang de ce juste. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour le sauver. Il faut te reprendre, Marie. Pour que son souvenir reste vivant, tu ne peux briser ta vie. Gaius, je ne peux renoncer à ma foi. Même pour toi. Je vais aller porter sa parole à tous ceux qui ne l'ont pas entendue. Jésus sera bien vite oublié après sa mort. Non. Après sa mort, qu'il commencera à vivre. Sa foi va traverser des siècles et des siècles. N'essaie pas d'appeler à l'aide. Je ne t'en laisserai pas le temps. Non, Barabbas. Attends, je vais t'expliquer. Inutile, ne cherche pas à te justifier. Tu m'as trahi. J'ai été obligé, mais j'ai essayé de t'aider aussi. Oh, oh. Si tu es encore vivant, c'est uniquement grâce à moi, je te le jure. Oh. Ah. Tiens, tu n'es qu'un sale espion. Oh. Et tu mourras. Oh. Lentement. Oh. Lentement. Oh. Lentement. Lentement.